Oui, bonjour, nous revoici dans l'épisode numéro 6 de Stage 1. Et nous allons parler aujourd'hui de WRC 2 FIA World Rally Championship. C'est un peu long, mais... Donc, nous allons jouer à ce jeu qui est plus une simulation qu'un jeu. Donc, comme son nom l'indique, c'est une simulation de rallye. Enfin, c'est un championnat, mais vous allez voir que ça ressemble plus à la simulation. On va voir ça avec vous. Donc voilà, le petit message qui nous dit que ça sauvegarde quand il y a le petit icône. Donc appuyons sur entrée. Alors là, les voitures, vous voyez déjà un peu, bon, voiture de rallye quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai déjà joué tout à l'heure, mais voilà, donc je vais charger ma partie. Est-ce que j'ai compris? Donc on a un nom, on a donc un copilote aussi qui a un nom, une nationalité. Donc tout comme un vrai rallye, donc notre voiture, l'état des pièces. Ah oui, parce que donc notre voiture, voilà, vous avez vu l'état de la voiture. J'ai fait une course, je me suis mangé quelques murs et bah elle est toujours cassée. Donc c'est là qu'on se dit, ah oui quand même, c'est une simulation. c'est carrément ça. Parce que votre voiture, faut la réparer contre de l'argent que vous gagnez dans les courses. Allez, attention, on va commencer maintenant. Donc voilà, bah simplement hein, donc le compteur, les vitesses qui passent automatiquement ou en manuel comme on veut, le copilote qui nous donne les directions. Par contre le sol est extrêmement voilà, vous avez vu, voilà. On peut sortir de la piste, revenir, mais ça glisse, hein. Ça glisse assez rapidement, assez facilement. Donc ce qu'on voit à gauche, donc c'est la barre de progression avec les checkpoints sur la route. Vous dire d'autre temps la voiture par la voiture, on a un visuel de la voiture. S'il y a des choses qui sont cassées, on le voit alors en bas à droite. Et puis sinon voilà, vous voyez, dès qu'on touche, c'est vraiment réaliste. On casse vraiment la voiture quoi. Vous touchez le côté droit, vous cassez le côté droit, vous le pliez. Tout à l'heure j'ai tapé des, voilà, donc là un checkpoint. Donc je vois que je suis troisième au niveau du temps. On n'est pas plusieurs dans la course, enfin c'est séparé quoi. Donc c'est à celui qui fera le meilleur temps. 40, droite 2, arbre extérieur. Allez, donc vous voyez quand même les voitures, bah, je trouve que voilà, vous entendez le petit bruit qui pète là à chaque fois que mon pot d'échappement fait des petites flammes. Voilà. Et le bruit quand même devient très insupportable. Le bruit de la voiture qui roule, le moteur, il devient insupportable au bout d'un moment. Là j'ai baissé le son sur la vidéo parce que j'ai besoin de parler. Et vous mettez le son à fond, vous faites deux courses avant d'avoir mal à la tête. Alors c'est vrai que c'est une critique, parce que bon, je teste des jeux, ils sont pas forcément bons. Vous avez vu, regardez, vous avez vu comme c'est fixé. Quand je roule, ouais, je roule à 80. Hein. C'est vrai que c'est réaliste, quoi. Hein. C'est une vraie simulation. C'est même pas pour s'amuser. La voiture freine d'elle-même. Là, je l'ai pas dit non plus. Elle arrive dans les grands virages, elle freine toute seule. Il n'y a aucun moyen d'enlever cette option. On peut pas freiner nous-mêmes. Enfin, si, on peut freiner de nous-mêmes, ça c'est sûr. Mais on peut pas l'empêcher de freiner toute seule. Donc là, je suis sur toute la course. Je n'ai à aucun moment appuyé sur le frein et pourtant la voiture freine. Et si elle freinait pas, ça partirait encore plus loin que ça. C'est vrai que c'est spécial quand même comme jeu. La première course que j'ai fait, c'était donc dans une ville, c'était tout balisé, tout ça. Et donc il y avait des zigzags dans tous les sens. Et franchement, la voiture, elle freinait toute seule. J'arrivais même pas à toucher les bords parce que elle freinait quoi. J'arrivais dans les virages, j'étais à 20 km/h, c'était pas grand chose. Donc voilà. Alors, on continue. On va essayer de finir premier. Bah, c'est juste une rapide présentation de ce jeu parce que, comme je vous ai dit, plusieurs courses, ça ferait mal à la tête, ce serait trop long. En plus, vous avez vu, je sors du terrain, ma voiture se casse, quoi. Elle est de plus en plus en mauvais état. Et le pire, c'est que ça coûte de l'argent qu'on gagne en gagnant la course. Pour gagner la course, eh ben, il faut prendre des risques,
Voilà. Comme dans la vie réelle, tout simplement. T'as vu, là, les boss. On est bientôt arrivé, voilà. Sur l'arrivée. C'est qu'on est bientôt arrivé. Donc là, normalement, est-ce que j'ai gagné? Voilà, je suis premier au niveau du score. C'est pas mal. Enfin, c'est mieux que. C'est mieux, donc voilà, c'est bon. Donc la voiture, hein, y a un énorme choix de voiture. Je vais vous montrer après. Donc regardez, donc voilà, on a une réputation, suivant les courses, tout ça, suivant ce qu'on fait, terminer le rallye, on remplit des objectifs, on gagne de la réputation. Là je suis niveau 3, vous avez vu, je suis passé du niveau 1 au niveau 3, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, on a une écurie aussi, donc c'est quand même vachement bien fait, je trouve. Il y a une écurie, c'est la simulation. Comme je le répète, là on s'est enregistré. Il y a les calendriers d'épreuves, le garage, tout ça. Le magasin où c'est qu'on achète la première voiture. Là moi j'ai acheté là, dans ce magasin. Donc là ils vous donnent toutes les marques. Celles qui sont disponibles au rallye, je pense. Regardez celles qui sont verrouillées. Peut-être qu'on n'a pas assez l'argent, je ne sais pas du tout. Il y a des cadenas, on peut pas les acheter, mais bon. Voilà, ah, j'ai pris celle-là. Moi. Donc voilà, pour WRC Rally, ce sera tout. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie de suivre mes vidéos au quotidien. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner, vous laisser des commentaires, comme d'habitude. Vous pouvez cliquer sur les liens que vous voyez pour accéder aux autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres. Et il y en aura encore bientôt d'autres nouvelles. Et donc, je vous dis à bientôt, et comme qui dirait, have fun!